Il faut dire que Facebook a quand même bien évolué depuis quelques temps, parce qu'avant, en 2008, je pense bien, c'était le réseau i5 qui dominait au Cameroun. Et puis progressivement, les gens se sont mis à Facebook parce que je pense qu'il y a eu comme une rumeur qui disait que quand on va sur Facebook, on peut être en contact direct avec les stars. Voilà comment on migrait vers Facebook. Et maintenant, Facebook s'est imposé, comme dans plus de 127 pays d'ailleurs, comme le premier réseau social. Alors au départ, c'est vrai que c'était assez, d'un point de vue découverte, vraiment, on allait par curiosité. Et puis on s'est rendu compte avec l'aspect des pages, les pages Facebook, qu'il y avait une possibilité de se faire connaître et de faire du business. Voilà comment progressivement, vous avez remarqué que dans ces dernières années, les entreprises, pas seulement des associations, mais les grandes entreprises, y sont et communiquent régulièrement sur leur page Facebook. Basiquement, on va dire qu'on est à plus d'un million d'utilisateurs Facebook, mais pas d'utilisateurs mensuels, parce que mensuel, c'est actif. Donc, il y a plus de 1 million de personnes, un peu plus de 600 000 hommes et 400 000 femmes sur Facebook. Donc, il y a une opportunité en termes d'audience, mais en termes d'objectifs, les entreprises peuvent rejoindre leur cible. Et on sait bien qu'il y a certaines études qui prouvent que les réponses des entreprises sont plus rapides sur les réseaux sociaux que par mail. Donc, il y a un réel intérêt pour les entreprises, soit des objectifs de vente, de se faire connaître, etc. etc. Je pense que c'est cette course aux chiffres-là, au début, qu'ont voulu commencer certaines marques, qui a permis justement aux gens de comprendre que, ah tiens, ce n'est pas qu'un effet de mode, c'est vraiment un réseau où il y a possibilité de faire quelque chose, soit pour les entreprises en termes de business, soit pour les entreprises, soit pour les personnes en termes de popularité et de rester connecté avec ses proches. Facebook évolue tous les jours, vraiment, l'algorithme, le design, etc. etc. Mais les Camerounais ont tendance déjà à lier leurs autres réseaux sociaux. Quand je parle de réseaux sociaux, je parle d'Instagram, Twitter, Foursquare, à Facebook. Ce qui fait que les gens vont rester sur Facebook, mais vont également découvrir autre chose. Et justement, je pense que si, dans les années à venir, Facebook n'essaie pas d'améliorer ou alors de se renouveler, les gens peuvent progressivement délaisser Facebook. Ce qu'il y a, c'est dans certains pays, on voit que dans certains pays, vraiment, les jeunes ont préféré aller dans d'autres réseaux sociaux comme Instagram ou Twitter. Mais pour le cas du Cameroun, on est encore présent, parce que le chiffre ne fait que croître. Mais je dis, Twitter est derrière, Twitter commence à prendre de l'ampleur. Les gens, tu vois quelqu'un le matin, alors qu'avant, c'était plus facile que quelqu'un poste un truc sur Facebook. C'est plus facile pour lui d'aller sur Twitter et de faire rapidement 2, 3, 4, 5 tweets. Dans 5 ans, on aura peut-être une égalité entre les deux réseaux sociaux.